final, tous les matchs sont à jouer à fond. Là, on n'est pas en train de... Dans une phase, on ne s'est pas qualifié pour une phase de préparation, regardez, non. Là, on ne va pas jouer ce match-là comme un match amical. Si on rentre comme un match amical, on va en prendre je ne sais combien. Une très forte équipe. Très, très forte équipe qu'on va jouer. Et le pays n'a pas joué des équipes comme ça depuis, je ne sais pas, la Coupe du Monde. Depuis la Coupe du Monde 74. Donc, on a la chance. On a la chance de faire partie d'une génération où on commence à jouer ce genre de match. Ceux qui jouent en Europe jouent des joueurs de ces équipes-là. Ok. Mais l'équipe nationale, non. Donc, ça tombe bien. Et c'est aussi une façon de s'étalonner par rapport à notre objectif. Je dis encore une fois, on va aller à la Coupe du Monde, mais ce n'est pas pour regarder les autres. Le Congo ne peut pas être comme ça. Le Congo ne peut pas être comme ça. Donc voilà, un premier match. Le regroupement, il va se faire à compte-gouttes. Ça n'a pas été facile de pouvoir rejoindre tout le monde. Ça n'a pas été facile du tout. Mais on est aussi des Congolais, c'est-à-dire qu'on ne pleure pas. Il y a telle situation, on s'adapte. On s'adapte pour faire le mieux possible. On aurait préféré que ça soit là, on commence aujourd'hui tout le monde. Mais ce n'était pas possible. Vous avez vu les visas pour que vous soyez là. On a attendu les visas jusqu'à la dernière minute. Vous n'alliez pas être là normalement. Jusqu'à la dernière minute. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour l'entraîneur que je suis pour organiser. Mais on ne va pas pleurer encore une fois. On est là, on est bien là. Et on va jouer la Roumanie pour faire le meilleur résultat possible. Sinon, ils ont fait match nul contre l'Italie, match nul contre l'Espagne. Donc voilà, grosse équipe. Et bien nous aussi, on va se mesurer à ça. Ils sont 19e mondial, mais on est 51e. Mais on devait jouer l'Égypte. L'Égypte a refusé le match. Ils ont eu peur de perdre. Ils disent si on perd, on va perdre nos places en classement FIFA et on sera moins bien pour la Coupe du Monde, pour le tirage. Donc ça veut quand même dire que la RDC commence à faire peur. Le match qu'ils ont signé eux-mêmes, après on refuse. Si on perd. Donc il y a quelques temps, on ne nous aurait pas dit ça. Donc c'est très bien. On continue, mais je ne connais pas une autre recette que le travail. Donc à partir d'aujourd'hui, avec le voyage, on va récupérer. Après avoir récupéré, demain, on rentrera directement dans la phase tactique. 1, 2, 3, 4, ok, allez, encore. Pour le coup, l'instantanéité, hein. Je promène avec Facebook, RDC. Passe à la café, tu n'as pas à mototé. Préparer le match à Roumanie, un jour très important pour la piste. Voilà, on va se concentrer. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'on a un match encore plus important à Madagascar. Mais on va essayer de bien faire des choses pour ce match. Pour bien se préparer pour le match à Madagascar. RDC. Passe à la café, tu n'as pas à mototé. Je suis content de retourner.
Un peu moins calme. Nous avons bien voté. On est très contents. Nous avons une équipe nationale. Dans le Sénégal, combattre pour la mission. C'est un peu moins calme. Même si on a du match, il y a deux fois, ça va bien. Si on a gagné un match comme ça, il faut faire un vote. Mais ok, coach Azara, nous c'est rappelé plus fait que mon gars salé la rabino. Objectif Coupe du Monde. Ouais, c'est important pour la vie sur le jeu. Toi, j'ai un joueur, toi, important, c'est en fait à tout le monde. Si je suis chance, c'est en fait à tout le monde. Ça va bien pour la vie sur le Congo. On va parler ensemble. Et on verra tout le travail et pour tout le récit, tout le monde. La situation est à tout le monde. Alors, Fidi, après le cas au cas, tout va bien. On est maintenant, je pense, Paris pour commencer cette nouvelle aventure. Et je pense qu'on va bien faire toutes les bonnes choses, la CAN, la CHAN. Ça montre qu'on grandit et on fera les choses bien pour se qualifier déjà pour Madagascar, en Coupe d'Afrique, qualification pour la Coupe du Monde et on ira en Russie. On le voit rien. La première fois qu'on a pour la même chose, la chance de voir la route. Bonjour, Tisserand Marcel, public congolais, on a dit que c'est arrivé à la première fois. Oui, tout le monde au cadre même danse qu'on a la blessure. Non, sentiment bien. C'est la première fois qu'on a gagné la sélection. Ah, mais on a déjà pas la Mickey. Donc, non, sentiment bien. Il y a l'autre en face à un peu. Il faut que nous ayons une photo qui est en 2018.
ça non, c'est plus ça, c'est pas que ça, c'est un peu le mot qu'on a pu se faire, on a pu se faire tout le vent au fond. On est venu tout ça, un match au Maza très important. Ils ont ça la guerre, parmi la coopérative, il a pu se faire à Coupe Monde 2018 dans ici. Donc, match au Maza très important, tout ça dans Zéla, donc il y a Como, place au match en 20e, donc nous sommes conscients, le match au Maza très important pour la mission. Donc, c'est ça la main qui est tout l'objectif de la mission. Déjà, dès le début, pour les gens qui pensent vraiment à la bonne loi en 2018. Depuis, nous avons la Cannes Gabo 2017. Donc, nous avons déjà été là, nous avons déjà pas bon à bien. Mais nous continuons toujours à travailler pour que nous en avance. Nous avons un peu de boulot, nous travaillons plus concentration. Nous avons continué bien à l'avoir toujours. Et la joueur chaque groupe nous avons la ambition. À chaque étape nous avons la ambition. Donc pour tout comme nous avons l'étape pour l'ambition, pour l'objectif des années. Et à un moment donné, donc le plaisir que nous avons trop pour nous quand nous sommes match ou amical contre nous. Il y a mon alou quoi là. Qui t'a ça va tomber mal. Ouais, Jérémy. Là, mes collaborateurs, ça qui vient pour la nation en forme. Et mon année que j'ai un peu de temps, hein. Et ça lui vient que la nation en forme. Et à Ozongi, et puis Gotozo qui est le match à Boumane. Donc, les a. Bah, c'est la première phase. Hein? Ouais, c'est la première phase. Là, c'est qu'il y a plus de choses. Nous avons maintenant un salon, un match. Nous avons pu préparer bien pour la Coupe du Monde. Dans le cas notre, un bête en Gabon. Et là, c'est que nous avons vu un bête en match. On est tranquille. Et pour tous un bon résultat. On a tous un peu pour le match. On est en Madagascar. Ok. Moi, beaucoup, hein. Ça va, Master, Congolais. On a pris d'abord pour le peuple congolais, surtout beauté. Là, merci pour le soutien à Bino. On a Bino beaucoup plus habitué fort. On a tout qui nous remet dans le match à Boé. On a tout soutien à Bino et aider plus sûr. Alors, on ne sait pas Bino. On s'en est surtout dans le camp de Zana. Et on va faire que tout le monde est bien. Merci à Bino. Comme eux, un peu comme eux, que ça soit un petit peu amer pour eux. Ça soit amer, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à trouver d'espace. Évidemment, quand on est comme ça, il faut gagner les duels. Donc, bien se parler, je prends ligne par ligne ici, bien se parler, gérer ces deux-là. Voilà un petit peu les derniers résultats de cette équipe qui est 19e mondiale. Sur les 10 derniers matchs, ils ont marqué 6 buts. 6 buts en 10 matchs et 3 encaissés. Il ne marque pas beaucoup, mais il n'encaisse pas beaucoup non plus. Ça se comprend, c'est une équipe qui joue bien le pressing dans son camp, dans son terrain, qui est un petit peu moins à l'aise quand elle doit faire le jeu. Et voilà. Mais il ne faut pas oublier non plus que c'est une équipe qui joue ensemble depuis quasiment 2 ans, c'est quasiment les mêmes. Même 23 qu'on retrouve à chaque sélection. Là, c'est pareil. Quand ça va jouer là, il faut me le tuer. Hein? Ça sera ta responsabilité. Là, ça sera pareil. D'accord? Évidemment, je te demande pas de venir jouer ici. C'est bon, les gars. Avec Polo, le travail défensif, pas l'oublier. Hein? Techniquement, on a besoin de toi, mais on a besoin de toi aussi là-dessus. C'est bon les gars, on a travaillé aussi là, vous trois là, pour orienter notre pressing, on se souvient? Tac, ça ferme d'un côté, Cédric qui vient et l'autre qui vient. Qui descend. On a récupéré le ballon, ça va vite, un des deux ça va vite, on peut s'appuyer dessus, au-dessus de la défense. C'est mieux pour avoir la course, au-dessus de la défense. Rentrons dans l'histoire, ça c'est important, rentrons dans l'histoire. Les premiers à avoir abattu une équipe européenne, rentrons dans l'histoire. C'est suffisamment important, rentrons dans l'histoire. Jusqu'à maintenant les gars, jusqu'à maintenant on parle de nos vieux de 68. Cédric est là, on lui a demandé une équipe africaine, il a mis Pierre Kalala. Je mens?
Pierre Kalala, il a connu d'où? 1968, Pierre Kalala. Ben vous pouvez faire la même chose, les gars. La même chose. Et ça, c'est plus beau que tout. Hein. C'est plus beau que tout. Au dernier rassemblement, qu'est-ce qu'on a fait? On a appelé sa veuve, on lui a donné quelque chose à sa veuve. On a donné de l'argent à sa veuve, à ce monsieur. Et ce monsieur-là, c'est 68. Donc jusqu'à maintenant, on en parle au pays. Jusqu'à maintenant. Donc vous avez la possibilité. Vous avez cette possibilité-là. Et je sais que vous allez le faire. Hein? Et pour moi, ce match-là, voilà. Je le place à nouveau sur ça. Sur ça. Sur beaucoup qui sont venus ici dans le projet pour ça. Coupe du monde. Also, to talk with a player, not to be tough, them, we prepare for Euro, yeah. We don't need to have injuries. Yeah. We prepare to play against for African Cup 2. You don't need to be injured. You don't need that. I'm really happy and proud to have this from you. Thank you. A really big coach from you. Thank you. I'm really proud. Allez les gars, c'est parti. On est prêts, on y va ensemble. C'est le moment. Allez les gars. Allez les gars, allez les gars, allez les gars, allez les gars. Confiance, confiance. Come on.
Facile, pourtant les matchs se jouent en Europe.
le résultat n'a pas été, le recrutement n'a pas été facile, mais cette fois-ci on a quand même payé de beaucoup de malchance. On a eu énormément de joueurs blessés, comme ça, Kololo, Mavinga, Nsakana, des joueurs absents pour cause de mariage, Chancel Bimba, Moulassi, des joueurs qui n'ont pas eu de visa, comme les joueurs de Mazembe. Et puis, on a eu obtenu des visas très tardivement pour les 6 qui sont venus, ce qui fait que la sélection a été donnée aussi très tardivement. Et à ce moment-là, il y a des joueurs qui sont partis en vacances, comme Walembo ou Mundumbo. Et puis après, il y a d'autres joueurs qui avaient des problèmes administratifs, comme Chipungu. Donc voilà, tout un concours de circonstances, d'autres joueurs qui n'ont pas fini leur championnat, comme Kibano, comme Dombala. Voilà. On a dû composer avec, avec ceux qui étaient sur la liste, les restants. Donc on s'est retrouvés à 14, à 16 au départ pour le stage. J'ai fait venir deux joueurs, puisque sur la liste des prévenus, enfin des présélectionnés au départ, il n'y avait plus personne à faire venir. Donc j'ai dû me rabattre sur la deuxième liste de la COSAFA Club. Et là, les deux joueurs qui restaient disponibles jusque pour l'entraînement, c'était André Gouquia et puis Arnaud Koufou qui sont au Portugal. Deux très bons joueurs d'avenir que je voulais voir pour la COSAFA Club. Mais je les ai fait venir un peu plus tôt pour pouvoir intégrer l'entraînement et qu'on puisse être à un nombre assez conséquent pour le match. Plusieurs fois convoqué, mais c'est finalement à Monza et sur le terrain de Como qu'on a vu Tisserand Marcel. En tout cas, c'est du talent sûr. On n'a pas été plusieurs fois convoqué, on est toujours resté en contact depuis longtemps. Il est dans une progression normale. C'est un garçon qui a joué avec nous, avec les espoirs. Il était capitaine des espoirs, donc il fallait qu'il arrive tranquillement à maturité pour atteindre l'équipe première. Là, il vient de faire une saison exceptionnelle avec Toulouse, avec beaucoup de stress. Une saison qui l'a fait grandir énormément parce qu'il a dû lutter pour le maintien. Donc, il a beaucoup grandi, plus que quand on est dans un cocon. Donc, il a appris la lutte avec ses qualités techniques. Donc, c'est devenu un joueur qui est très intéressant pour l'avenir. On est dans une période charnière, je le dis toujours. Donc voilà, les jeunes qui étaient au tournoi de Toulon se montrent de plus en plus. Au tournoi de Toulon, il y avait Chancel Mbemba, il y avait Merveille Beaupré, qui avait déjà rejoint l'équipe première. Maintenant, il y a Tisserand qui est là. Clark Sikoulou devait nous rejoindre aussi, il n'a pas pu le faire pour cause de blessure. Donc voilà, ça en fait quelques-uns qui sont amenés à intégrer. Je crois que c'est comme ça qu'il faut travailler. On est un petit peu dans la même logique que les autres équipes. On joue en 17 ans, on arrive en espoir et après on intègre l'équipe première. Voilà, il y en a qui ont joué en espoir avec bonheur le tournoi de Toulon. Ils sont là. D'autres devaient jouer ce tournoi de Toulon comme Bangala, comme Mbele, qui n'avaient pas pu être là, comme Mabouati. L'adversaire s'appelle Roumanie. Un joli résultat, un nul, puisqu'on n'était pas non plus loin d'une victoire. Comme on l'a dit, je crois qu'il faut se redécouvrir de l'ambition depuis qu'on est arrivé. On l'a dit, on ne s'est pas caché et je crois que personne ne pourra nous dire quoi que ce soit. Quand on est arrivé, on a dit qu'on voulait aller à la CAN. Ça, c'était pas nouveau. On l'avait déjà fait avant. On voulait aller à la CAN et puis faire quelque chose de bien. Donc on a réussi à ramener une médaille. Mais encore une fois, je dis quand on est à RDC, participer à une CAN, on doit avoir l'ambition toutes ces prochaines années de viser le dernier carré à chaque fois. Donc ça doit être l'ambition de RDC. Mais au-delà de ça, on m'a dit aussi qu'on devait aller à la Coupe du Monde. On avait envie d'aller à la Coupe du Monde. Et quand on a envie d'aller à la Coupe du Monde, il ne faut pas non plus y aller juste pour aller. Il faut y aller aussi pour être performant. Et si on veut y aller pour être performant, il faut jouer ces genres d'équipes qui jouent la Coupe du Monde, comme la Roumanie, qui joue la Coupe d'Europe régulièrement. Et une équipe qui est classée dans le top 19, dans les top 20, pardon, mondial, qui est 19e. Donc il a joué sans complexe. C'est ce qu'on a fait, on a joué sans complexe. Et on a réussi à avoir un résultat
rapport à cette équipe-là. Il ne faut pas oublier, il faut le rappeler que c'est une équipe qui a fait match nul contre l'Italie, qui a fait match nul contre l'Espagne, et qui est en train d'avancer. Voilà, on est content d'avoir fait un match nul face à cette équipe. Un jeu égal et parfois même étant supérieur. Donc, ce qui m'a fait moi le plus plaisir, c'est qu'on a réussi à gagner le jeu et à poser cette équipe, à poser des difficultés à cette équipe, tant défensivement qu'offensivement. On a commis une bêtise sur le but qu'on leur donne. Hein. On leur donne le but, mais on est revenu patiemment, avec intelligence, parce qu'il fallait faire une bonne lecture de cette équipe qui est très dangereuse. Et, on a quand même réussi à faire en sorte qu'elle le soit moins. Et ça, bravo aux joueurs, parce que pour travailler tactiquement de la sorte, on a travaillé. Italie n'a pas été par rapport au match en bisou à championnat A. Club en Amazem, tout ça n'a retard en match, en moins ça l'a guité tout si cala. Mais ils ont fait trop tard, ils ont retard. Déjà, Nazali, tout ça pour la préparation un match à Madagascar. Mission mort, tout ça n'a pas, ils ont uniquement tout ça premier. Tous a qualifié pour la Cannes Gabon 2017 quoi. Bon, tout ça se passe très bien, très 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 bien, ambiance normale, tout bani de la préparation, tous a sur la temps perd de thé, tous a l'ambition, toi après na bit na biso moro, les ali tout qui est de Madagascar, tout ça les nécessaire, tous a 3 points vraiment pour toi si le peuple congolais tout partout bazali qui est une équipe, ils a la qualifié pour la Cannes Gabon quoi. Ouais, ce qui est vrai, la concentration est là. On est très déterminé, surtout pour la qualification de ce dimanche. Vraiment, on a une très belle mémoire encore de plus. C'est parce que, tu vois, le rythme qu'on a déjà eu avec les jeunes qui sont là. Vraiment, on est serein, on est déterminé pour avoir une très bonne résultat le dimanche. Et surtout, ce résultat de dimanche, ça nous permettra déjà d'être bel et bien à l'aise pour la Cannes 2017. Bon, ce n'est pas du tout quelque chose d'extraordinaire. Ce qui est important, tu peux avoir la complexe de supériorité, mais quand tu entres au terrain, il y a d'autres choses qui arrivent. Par rapport à la réalité et par rapport à l'observation, comme on avait observé l'adversaire dans 15-20 minutes de but de match, on a vu qu'ils ont été aussi capables de gagner ces matchs-là. Bon, malgré ça n'a pas été fait, mais ce qui est important chez nous, c'est de garder l'ossature et puis la performance qu'on a pour l'instant. Oui, l'ambiance est toujours le même. L'ambiance est toujours le même. On est toujours déterminé et concentré, même si son absence aussi n'est pas là. Mais on est de cœur avec lui parce que, tu vois, même si le papa n'est pas là dans la maison, mais tellement il a déjà beaucoup appris les enfants à la maison que non, il faut être comme ça, il faut être ça, il faut faire ça, il faut rester là. Ça donne déjà quelque chose de bon. Donc on a aussi notre père qui est encore là, le coach Zahira. Il a bel et bien aussi donné son séance d'entraînement aujourd'hui. Vraiment, ça a été parfait et magnifique. Je leur demande un grand merci par rapport à leur soutien. Nous sommes aussi des cœurs avec eux, malgré qu'ils sont loin de nous, mais leur soutien, on voit assez de près et de loin. Ça me fait partie de quelque chose aussi au cœur. Et puis nous sommes déterminés vraiment jusqu'à la Coupe du Monde, si le bon Dieu nous permettra, qu'il nous donne encore la santé et la force qu'on a aujourd'hui, on arrivera aussi. Merci à Rabangoutou. Amboté Rabangoutou, merci à Rabangoutou de soutenir Jonathan Bolingi. Merci à Rabangoutou. On va au travail pour Rabangoutou. Ouais, ambiance, c'est toujours ambiance des alarara qui toko wapi. Wat mignon sa bazar. Tomaki kamo ba jouer musuno ba été mais ambiance déjà ça va. Ba l'espoir poto na pesse no mbote na ngongo. Tu dois défendre d'abord drapeau mboka. Ndebi se toi ba serviteur na bino travail rapport to se plaisir mité na bino. To bété ba prater toi pour na to rachir. Victoire à dimanche, tout est né pour tous à qualifier, tous à l'aise. Ouais, ambiance est là bien, en Angola, en Zambie est là bien. Tout va bien première séance Lelo, et ils ont bien. Bolingo est allé, Amour est allé, est là bien. Et là, bah, moi, ça me souvient au Baïté, bah, comme à Lelo, me suis à Vita, bah, comme à Lobby, tout à fait, bah, ambiance est là qui tourne ma classe. Tout c'est ma classe soutien à Bango. Va soutenir Bisso à 100%, la prière, c'est important. Va limba Bisso et toi, bana bango. Tout ça, bango plaisir. Tout c'est plus amitié mal à bango. Pour toi, Ebi, beaucoup d'amis kakata notre. Mais tout ça, bango plaisir, tout ça qualifié. Et ça, bango bien la musique, bon c'est pas là. Bon, y a les Bisso, les gens à bango te y a trop et pas de connaissances. Donc
Moi, il y a des gens qui sont bien pour nous en équipe nationale. Bon, ils ont bien ma case parce que tu es tout seul, ça paye na biso tout be tout bunde lambo kana biso donc de na wipe ça bon kaka bazalara derrière biso ndeba mesa na zalaka. Ouais, ambiance est légale bien, biso nyo sont bien, c'est bien de tout ban tout zalaka kaka nande ba o ba yo ba xamana o biso pe tout zalaka déjà donc ambiance est zana bien et bien ma case donc il y a le bamingue zati. Et le bambin gizate, tu oses la carte, tu kende tout ça, moussa, na bison de ton messana, tu remportes 3 points et ça la bison bien ma casse. Bon, surprise, c'est ça que 3 points, des ans, bam matabaki tato, n'est tout zoé, bam 3 points, ah ouais, n'est peut-être au kendo zo, bam 3 points en boucan à bango donki. Le toit de Caire, y'a pas joueur nion so, y'a bien au léka. Il y a bien les gars, vraiment. Parce que la République démocratique du Congo, les Congolais, tout ça qui est un peu en retard sur le plan de la communication. L'initiative sur l'Internet, l'autoroute, il y a la communication, la période de la mondialisation, ils ont permis la visibilité, il y a le football à travers l'équipe nationale. Tout ça, mais avec les moyens de bord. Avec effort, le comité exécutif a fait qu'on fait des choses pour améliorer la communication à Baléopa. Et Nakansi, Bozali, ma partenaire, Nabiso, Namoussalawana, Longonia Nabino, Lokumu Nabino, et Boza toujours na opportunité et puis collaboration Nangai dans la mesure du possible. Pour na Baléopa, Lelo, Tozali, mardi, et la première session, il y a entraînement. Sous supervision et coach assistant Zahira Mwini pour coach Florent Ibenge Azana on avec club na Lubumbashi Barobeta mercredi na Saint-Éloi Lupopo. C'est ce qui fait aussi que sélectionné il y avait club en l'occurrence Joyce Lomalisa Bopunga Botuli Padou na troisième joueur Munganga Omba Nelson Bakoya mercredi soir pour rejoindre groupe où ils allaient déjà sur place. Na liste à 25 pour retenir que deux joueurs vont être absents. Vraiment ils allaient Mawamingi, notamment Tisserand Marcel ou à Salari match mené contre Roumanie. Na axe à Koyate pour na quelques problèmes administratifs. Non, quand c'est pour s'arranger d'ici là. Et puis, Neskens Kebano, vous voyez, Dans Kebano Yaya, il est à Ozalapete pour avoir qui m'a blessure dans le dernier match. Tous les 23 moussous, nous sommes à Ozala. Le mardi, tous les autres arrivés à 3 joueurs dans la Grande-Bretagne, Zakwani Gabriel, Jordan Botaka, na Leeds United. Na les très puissants il y a la Bolas et Yannick Crystal Palace bango les trois Oyasuka Bako Malelo tous les restes ici Bako Makiawa Jacques Magoma Chancel Bemba Dengeliste Ezali bango nous aussi Bako mi bango ça l'entraînement de Basali mardi mercredi sous superviseur coach assistant Zahir Mouena, on a un papi qui monte au préparateur physique, on a Eugène Boulaïma, entraîneur gardien. Jeudi, coach Florent Ibenge, on a déjà dans la capitale, on va reprendre direction et staff technique pour voyage, on a un voyage des Alliés prévu pour vendredi, vol affrété, il y a Congo Airways directement sur Antananarivo. Objectif, il y a Baléopard. Tout ce compliqué existence te. Tout ça, le Colomoro déjà na Gabon, mais il faut toi assurer en sur place face à Barré. Bonjour, Masolo Oyo. Awa tout ça na Katia bus ya Léopard Bazali Kolongwa. Hôtel Béatrice Polon Kende stade de Marti Botala ambiance n'est qui na Kati Bozali ko remarquer bongo présence ya staff technique. Wana Bozali ko mwana nous les coach Android Ibenge Azali na Katia bus wana. Bazali ko ken entraînement ba joueur auto ebisa ki bino ete batikala ki bazali wana Nelson Munganga Joyce Lomalisa Yannick Bolassier bango nyonso bakomaki lobby déjà bazaki wana lelo bazako banda séance na bango entraînement eloko ekamwisa ki biso lelo na kati ya stade ezalaki ete entraînement ezalaki koleka malamu mais to remarquer peke batu mususu na kati
bah écoute comme ils sont au terrain bitumba tu vas quitter tu sais qui na est cette opinini bota l'andele nini bah chez qui basali ko bunana katia stade et ça là qui passe et comme ils sont couto bah joueur mingo bah évolue à kalibanda bah tel andele nini bah tu basali ko bunda bah mon inquiète basali na katia insécurité totale na kati ya mboka na bango plus particulièrement na katia stade place basali ko salle d'entraînement et ça là qui bango passe yango wana bah lelaki to sengi na bango ete baye bana kolembate me baye bana kozala kaka mais pona bakonzi ezali mawa de voir une grande équipe l'équipe nationale na kati en sécurité bo isalaki pasi ya bo komona ba petit joueur to pazoki e osala pasi yango wana to sengi na bino bakonzi bo assurer sécurité ya ba joueur to ce qui bon ote coach Florent Ibenge a permettre ki biso tant to zonga ki nen hotel pona ayeba na kopesa makansi na pe programme Ndambu avant après ça programme nyonso général lobby avant bakende en préparation bandagi nga na zaina Lubumbashi mais bon tout est toujours il fallait que zone ça ba joueur na niveau moko physique hein. Donc ba mtuba tika ko beta moi après championnat na bango donc ba entraînement il bosse zagi na caractère ya physique siko tonto tozoko ta na na technique na tactique. Et puis, tant comme à Madagascar, pour nous régler la bureau amicale, pour que tout au long match, pour match, ils aient la facilité. Mais nous, nous avons gagné 5-0, 6-0, mais ils ont été. Match, il faut prendre tout le monde, parce que Madagascar, pour nous, nous avons déjà éliminé. Donc, nous avons été libérés pour la thé et nous avons monté. Donc, sur l'équipe, ils ont été bourrés, ils ont été stressés et ils ont été massacrés. Donc, il faut que la penda na na concentration makasi parce que le match a été gagné à 2-1 et le baza quand même makasi. Donc, il faut que nous ayons besoin et que nous ayons besoin de la pour que le match soit souka, pour que nous ayons un peu de tranquillité. Le public est une équipe nationale, mais le public est un peu discipliné parce que. Tant que nous sommes là, nous avons joué et comme nous avons dérangé. Donc, il faut que nous soyons plus de temps pour que nous travaillions pendant la tranquillité. Probablement, nous sommes là, nous avons joué pendant que nous avons joué et que nous avons joué. Et puis, moi, encouragement, nous sommes là, la réaction, nous sommes là, et ça, les joueurs, pendant la concentration. Donc, na posa au public quand ça va qu'ils ont son équipe, ok, na msala, ils ont même sandé msala. Donc, tout mes gars ont moins discipline, ils ont tout ça msala. Sotoye, ni tu vas mon équipe nationale, kala, tout le gars va premier entraînement, bah yé, bah mon équipe na bango. Mais apprendre, bah t'y comme salé salema, voilà bah yaté. Donc, dernier entraînement, ils ont lobby na tongo, soit bah au côté capsule, la possibilité que tout travailler tranquillement, ils ont un peu malin.